tuto tricot du blog Along avec Anna. Aujourd'hui, nous allons parler pelote de laine et écheveau. Ah, c'est quoi la différence? Souvent, les pelotes de laine ont été teintes de façon plus industrielle, tandis que les écheveaux sont teints à la main. C'est généralement ce qui se passe. Alors, vous pouvez tricoter tout de suite à partir d'une pelote de laine. Comme vous voyez, hop, vous avez un fil, vous avez juste qu'à tirer et à le tricoter. Si vous avez des pelotes comme celle-ci, vous pouvez prendre le fil soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. C'est comme vous voulez. Par contre, pour les écheveaux, il faut d'abord les mettre en pelote et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors, pour pouvoir mettre un écheveau comme celui-ci sous forme de pelote et pouvoir le tricoter, vous allez avoir besoin d'un bobinoir, qui est cet outil qui va faire la pelote, et d'un dévidoir sur lequel on va disposer l'écheveau de laine. Alors, lorsque vous avez votre bobinoir, il se présente souvent comme ça et il faut le mettre au niveau de la table. Ici, vous avez ce petit truc en métal qu'il faut avancer et votre fil va venir dedans. Et ensuite, vous avez également ça qu'il faut visser ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'écheveau et on va venir le mettre ici. Comme ça, d'accord? Ça va se passer comme ça. Alors, je vais prendre mon écheveau. Je le déroule comme ceci. Et je vais venir, avant de visser, je vais venir disposer mon écheveau comme ça. Vous pouvez le tenir à la main. Et ensuite, voilà. Il faut que ça soit un minimum tendu, mais bien sûr, pas trop non plus. Et là, il faut visser votre écheveau. Première étape de faite. Deuxième étape, vous allez avoir besoin de ciseaux pour couper les petits fils qui tiennent votre écheveau. Sur celui-ci, je n'en ai pas bizarrement. Généralement, il y en a pour éviter que l'écheveau se mélange dans tous les sens. Mais je vais quand même couper mon fil de départ. Hop. Voilà. Ensuite, vous prenez votre fil et vous le faites passer dans le trou ici en métal. Et vous le faites également passer ici. Il faut le faire tenir sur les deux petits trous que vous voyez là. Et ensuite, vous prenez votre petite manette ici et c'est parti. Vous pouvez aider au départ en tenant le fil et puis après, on y va. Attention, on arrive à la fin. Et voilà, on arrête le dévidoir et voici votre bobine qui est toute faite. Maintenant, si vous voulez enlever, c'est tout simple. Vous faites comme ceci. Et voilà, votre pelote de laine. Et voilà, vous savez désormais comment faire pour mettre un écheveau de laine en pelote comme ceci et pouvoir ensuite le tricoter. Sachez que si vous n'avez pas de dévidoir, vous pouvez utiliser le dossier d'une chaise. Ça fera la même chose du moment que vous avez bien sûr le bobinoir. Et si vous n'avez aucun des deux, au moment de l'achat des écheveaux, si vous achetez dans un magasin et pas sur internet, il y a beaucoup d'endroits qui acceptent de mettre en pelote tout de suite votre écheveau lorsque vous l'achetez. Donc c'est aussi une solution en attendant d'acheter le matériel. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.